Il a été demandé au Sussex de quitter Frogmore quand un porte-parole du prince Harry et de Meghan Markle a confirmé cette information. Le 1er mars dernier, un expert royal affirme que les Sussex sont à la fois en colère et choqués de cette décision. Un expert royal affirme que le prince Harry et Meghan Markle seraient en colère et choqués après leur expulsion de Frogmore Cottage. Notons que le mercredi 1er mars dernier, un porte-parole des Sussex avait confirmé qu'il leur avait été demandé de quitter la propriété. Rappelons que le duc et la duchesse de Sussex vivent désormais en Californie avec leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Seulement, avant de quitter la famille royale, ils vivaient à Frogmore Cottage, dans le parc du château de Windsor. Selon Mirror, Harry et Meghan se seraient engagés à signer un nouveau contrat de 12 mois en avril dernier au domaine. Ils n'ont donc jamais voulu laisser le bail de Frogmore Cottage expirer après leur départ. Depuis le départ des Sussex, Sissy, la princesse Eugénie, son mari, Jack Brooksbank et leur fils, August, qui utilise Frogmore Cottage. Après l'expulsion des Sussex, le palais de Buckingham a refusé de faire un quelconque commentaire. Le palais avait décrit cette situation comme étant une affaire familiale privée. Contrairement au palais, la réaction du prince Harry, 38 ans, et de Meghan Markle, 41 ans, ne s'est pas fait attendre. Selon Rebecca English, rédactrice en chef du Daily Mail Royal, cette réponse montrerait clairement la colère des Sussex. Meghan et Harry, ils auraient forcé le roi Charles à agir à la minute où l'Amérique s'est réveillée, bang. Le porte-parole des Sussex a confirmé publiquement que c'était vrai, avait exprimé Rebecca English à Palace Confidential. Je pense que cela nous montre à quel point ils sont en colère et à quel point ils ont été choqués que cela se produise. On ne leur propose aucune autre propriété, si est-il vraiment aussi brutal que videz vos affaires et partez, toujours d'après elle. Dans cette même émission, Richard Eden, du Daily Mail, avait affirmé que les Sussex avaient potentiellement forcé le roi Charles III à agir ainsi. Cela à cause des nombreuses critiques et attaques à l'encontre de la famille royale dans leur série Netflix et dans les mémoires du prince Harry, Spare.